Salut à lui mes petits aigris, c'est Ken le survivant, maître de l'aigritude, et on se retrouve pour une vidéo sur Wii U de Skylander Swap Force. Alors, je l'ai pris sur Wii U, je voulais attendre la PS4, mais c'était trop long, les petits n'arrêtaient pas de me gaver pour pouvoir avoir le nouveau Skylander, vu qu'on avait acheté déjà les deux derniers. Donc je l'ai pris et je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer les différences. Alors, l'arnaque que ça peut être sur certaines choses, et vraiment la beauté du jeu, parce qu'il est vraiment magnifique et je ne regrette pas. Donc, il y a différents. Donc là, on va prendre le mode histoire. Je vais jouer avec mon plus petit et mon plus grand, donc mon plus grand c'est Enzo, salut Enzo. Bonjour. Et Mathéo, plus petit. Bonjour. Voilà, j'espère que vous les entendez, parle pas très très fort, on va essayer de... Donc, je vais lancer le mode histoire, ça on va supprimer parce qu'on a fait des tests, tac, et on est parti. Donc, la difficulté moyenne, facile ou difficile, on va prendre moyenne, tout simplement. Et on va commencer par l'introduction. Salutations maître du portail. C'est tout en français. Et je suis venu te guider dans un très bon point formidable voyage. Bienvenue dans les Skylands. Un monde magique plein de merveilles et d'aventures. Donc les vidéos sont toujours magnifiques. Les plus grands héros de tous les temps, les Skylanders. Donc ça, c'est les anciens. Pendant longtemps, mon devoir a été de veiller sur les Skylanders et de les guider. Mais cette tâche t'incombe désormais. Et tu as trouvé la Swap Force. Donc ça, c'est les nouveaux personnages qui sont disponibles. Il n'y en a pas beaucoup en Swap Force, je vous expliquerai après. Nous, on a le poulpe et puis celui-là qui a les bombes derrière qui vole. C'était un groupe spécial de Skylanders dont la mission consistait à défendre les îles éclaircies qui abritent un volcan magique. Tous les 100 ans, 4 anciennes créatures, les élémentaires, combinent leur pouvoir dans le volcan et provoquent une puissante éruption qui restaure la magie dans les Skylands. Bon, ça va, c'est assez compréhensible. Où il y a une puissante magie, il y a aussi un grand danger. C'est lors de la dernière éruption que les élémentaires ont été attaqués par les serviteurs des ténèbres. En cette heure de péril, les Skylanders ont répondu à l'appel. Lui, j'aimerais, je le veux, mais on l'a pas trouvé. C'est un des persos qui me plaît bien. Lui, on l'a déjà, comme je vous disais. Espèce de poulpe aussi. À la fin d'un combat épique, nos héros furent pris au piège au sommet du volcan. Incapables d'échapper à l'éruption, les Skylanders furent baignés dans l'énergie magique du volcan et ils acquirent un incroyable nouveau pouvoir. Ils devinrent la Swap Force. Donc en gros, on peut échanger le bas et le haut des personnages. Mais, il y a un mais, c'est pas tous les personnages. Jusqu'à toi. Et juste à temps, les Skylanders ont besoin de ton aide. Une grande aventure t'attend, maître du portail. Chouette. Regarde. Assister à l'éruption du mont éclairci. Merveille, magie et aventure sont au rendez-vous. Donc lui, il était déjà dans le Giant. Même dans le premier, il me semble, non? Tu peux me croire, Hugo, ça va être génial. T'es sûr? Je sais, Flynn, tu vas être en première loge pour assister à quelque chose qu'on avait donc c'est vraiment tout en français, c'est vraiment très bien de lui. J'ai même acheté ce super chapeau volcan. Ouais. Va par là. Oh bonjour, Kali. Je te manquais déjà. Donc lui, c'est le bouton train de service. J'arrive pas à croire que je vais dire ça. Mais je... Oh, mon chapeau. Je dois y aller. Adios, joli chapeau volcan. Bon voyage. Wow, qu'est-ce que c'était? C'était quoi? Pour entendre des voix. Pendant une seconde, j'ai cru que c'était... Un poulet géant? Eh bien non, pas tout à fait. Je veux dire, je les connais, mais... Oh non, ils nous ont trouvés! C'est quoi, c'est un renard, non? Elle. Écoute, oui. Mon foyer est en danger. Si tu connais vraiment les Skylanders, bah si, c'est un renard. Eh bien, je suis plutôt joli d'ailleurs comme renard. Mais je n'ai jamais su dire non au danger alors. Ok, le danger gagne. On va de quel côté? Dans le volcan. On pourra les semer à l'intérieur. Très franchement, ce n'est pas à ça que je pensais. Tout ira bien. Je connais le chemin. Fais-moi confiance.
Ok, c'est d'accord, mais tiens-toi bien, petite renarde. Elle me fait penser à Tal, tu sais, le copain de Sonic. Le renard. Pas de botte, non? Tu comprends? Bon, je trouve qu'elle ressemble un petit peu, quoi. Ils sont très timides, mes enfants. Alors, ça commence. Donc là, je croyais que je pouvais essayer... Voilà, je pouvais essayer de gérer le bateau, mais non, en fait, ça commence après. C'est un peu lol. Ah, c'est l'heure. Alors, là, on va me demander de prendre un personnage, donc je vais prendre... Hop. Oula. Hop, celui-là. Donc c'est le personnage qui s'appelle un tout nouveau que je ne connaissais pas, Green Creeper. Donc il est très bien, il a une faux, super sympa. Enzo va appuyer, puis il va prendre appui avant. Voilà, vas-y, nickel. Et il va choisir... Ah, tu vas prendre le panda qui s'appelle... je me souviens plus... Zulu. Qui ressemble beaucoup à un panda de World of Warcraft. Tac, tac. Donc moi j'ai la faux, je peux faire des trucs. Je peux sortir aussi mon armure. Donc voilà. Donc on dirige pas le bateau. C'était mon moment favori. Utilise la commande d'attaque pour bouger. T'as vu que t'as sorti un chien? Alors c'est magnifique. Je vais retirer ces trucs cassés de mon vaisseau. Oh non, les barons du ciel, il va falloir être plus rapide que. Alors là, ça c'est une nouveauté, ce qu'il n'y avait pas avant, c'est qu'il présente les ennemis. Donc c'est vraiment sympa. Donc quand on a des ennemis, automatiquement il les présente comme ceci. Fais partir ces chompis de mon vaisseau. Donc il y a toujours une vie, il y a toujours de l'expérience et toujours de la thune. Voilà, donc Enzo vient de passer niveau 3, donc c'est ça. Hein. Tu le trouves comment? Oh. Tu le trouves comment Enzo? Ouais, il est beau, hein. Il est relativement... Franchement, Giant, quand il est sorti, bon, il était bien, mais... Il n'y avait pas, c'était pas une révolution, je trouvais qu'ils avaient un peu enfloué les parents. Là c'est complètement différent quoi. Le jeu est magnifique, ce qu'ils ont fait en 3D et 2D, les personnages sont vraiment bien foutus. Encore une présentation d'ailleurs. Deux méchants. Ils ont mis encore une note d'humour qui est super sympathique. Et puis il y a pas mal de persos. Bon là on vous montre un petit peu. C'est un peu plus loin. Je sais pas quand ils sortent son... Je sais pas à quoi ça sert le fait qu'il sort de son armure, le mien. Tu aimes bien ton panda? Il fait quoi alors? Il jette des espèces de... Ah ouais, fais voir quand il jette son chien. Comment il fait pour jeter un chien? D'accord. Donc voilà. Et moi, en fait, je peux faire des tournicotiers avec ma faux. Et aussi sortir mon arme. Ah. Donc les vidéos sont magnifiques. Le jeu, il est magnifique. Pour les gamins, c'est super. Je pense qu'on vous regrettez pas l'achat. Tu aimes? Oui. Ici le oui. Capitaine Mac. Qui vous parle. On est arrivé. Et c'est franchement. Dragon, ça va? J'aime bien parce qu'il n'y a pas de sous-titres. J'ai jamais vu un crash pareil. Je sais, impressionnant. Hein, c'était une manœuvre super secrète et incroyablement complexe. Heureusement, je suis le meilleur pilote des Skyland. Capitaine Flynn, à ton service. Capitaine Flynn. Boum! Kababoum! Pardon, Miss... Tessa! Je m'appelle Tessa. Ok, c'est noté. Alors, quel est le problème, Tessa? Mon village a été attaqué, juste avant la fête du volcan. C'est pas loin. Allez, je vais te montrer. Wow, minute, papillon. Je ne vais nulle part sans mon vaisseau. Un bon capitaine ne s'en sépare jamais. Hé, hey, Skylander, par ici. Alors on va vous montrer, donc là donc vous voyez c'est vraiment magnifique, les décors sont magnifiques, franchement je regrette pas l'achat quoi, c'est vraiment beau. Et ils ont fait des nouveautés, c'est beaucoup plus beau, on s'en fout putain. On passe ? Ok, on passe. Hein. Donc là ils nous disent qu'il faut aller au truc, hein, y a pas de soucis. Donc, tac. Donc vous voyez quand on s'éloigne un petit peu, ce qui me relie en fait est beaucoup plus beau. Les personnages animés en 3 dimensions sont magnifiques et même les environs, les alentours, tout. Alors Skylander, ce qui est bien c'est que quand vous achetez des... Donc là il nous explique, on peut sauter, parce qu'on ne pouvait pas sauter si je ne me trompe pas avant. Hein, c'est ça Enzo. Voilà, donc maintenant on peut sauter. Alors je vais vous montrer le Swap Force, donc hop, en gros. Donc là le premier, donc c'est des personnages, tous les personnages ne font pas Swap Force. Ça c'est abusivement
dégueulasse, c'est-à-dire que nous, j'ai pris des personnages, j'ai acheté des petits et des grands. Et en fait, il n'y a que les gros qui sont Swap Force, les autres n'ont pas. Donc là, vous voyez, j'ai un personnage basique qui peut faire du feu, vous voyez, qui est magnifique. Hein. Les animations des persos sont vraiment extraordinaires. Et je vais vous en montrer un deuxième, puisque j'en ai que deux, vu que j'avais pas compris le système, c'est pour ça que je vous fais une vidéo aussi. Donc, qui est le poulpe. Donc ça, c'est un personnage d'eau. Alors, quand il charge, les swaps forts, je trouve que c'est un petit... J'ai l'impression que des fois, ça bug. Tac. Donc, vous voyez, lui, par exemple, il fait ça. Et puis, il peut faire aussi des... Maintenant, si je veux combiner donc les autres, je peux détacher. Je ne vais pas vous le montrer en vidéo, parce que vous n'avez pas la cam. Je détache, en fait, les corps qui sont aimantés. Et je peux modifier, en fait, les personnages comme ceci. Tac. Et ça donne un personnage différent. C'est-à-dire que j'ai un personnage de feu et d'eau en même temps. Voilà. Et là, le bas, en fait, a ses capacités spécifiques. Et le haut a ses capacités spécifiques aussi. Donc voilà. Donc ça, c'est relativement sympa. Donc le but du jeu, c'est toujours l'exploration, on est bien d'accord. Hein. Si vous explorez, bah, il faut trouver des coffres. Ceux qui connaissent pas forcément, regardez ma première vidéo de Giant. On peut utiliser les personnages de Giant dans le jeu. Il y a toujours des endroits cachés à vérifier et tout. Donc voilà, c'est relativement intéressant. On va essayer d'avancer un petit peu, Enzo. Donc les nouveaux sont magnifiques. Les animations quand on les met sont magnifiques, elles sont encore vachement plus belles que ce que vous aviez avant. Là par exemple, vous voyez, je sais pas comment on peut faire pour essayer de... Oh, hop. Donc là ça c'est pour manger, hein, les strises, tout ce qui est strises, machin. J'essaie de passer les cinématiques si c'est possible. Donc les portes de combat, c'est que vous devez... Voilà. Je vous explique un peu, hein, c'est une sorte de didacticiel. Les ennemis sont super bien faits aussi. Et je peux accélérer. Ouais, t'es fort. Hein, quand même. Allez, là je viens de gagner un nouveau par exemple. Tu veux en prendre un autre, non? Je vais te montrer aux gens. Prends celui que tu veux, vas-y. Ouais, la ruche? Ouais, vas-y. Donc lui, c'est un don qui a chaque élément, hein. C'est Bumble Blast. Donc lui, il tire des espèces de ruches, assez marrant d'ailleurs. Voilà, il tire des espèces d'abeilles, donc c'est sympa. Donc là, il y a un coffre, hein. Là, il faut récupérer les coffres. Toujours la même chose. Hein. Et sur mon gamepad, par contre, je vois les statistiques de mon personnage, par exemple. Ce qui est relativement sympathique. Comment t'ont-ils attrapé ? Ces Gribbles vont le regretter. Les Gribbles enferment ces pauvres. Je passe, hein, volontairement, parce que sinon c'est très long. Et ils ont donc refait aussi, donc je vous permets Enzo, hop, ils ont refait les anciens, avec la saison, ce qu'ils appellent la saison 3, la série 3. Donc voilà, là, lui, bah, ceux qui le connaissent, hein. Il s'appelle comment, Mathéo, celui-là? Merci, Carafin. Terafin. Donc voilà, c'est très bien. Hop. Donc, lui, ben, il a été dans le 1, il a été dans le 2, et puis il est dans le 3. C'est un requin qui peut aller sous le... Ah, va falloir qu'on le tue. C'est où il jette des trucs, en fait. Des espèces de pierres, donc il faut qu'on les bute. Donc, il va dans sous-terre, et il peut faire, en fait, un vol plané, comme ceci. Hop, et s'écrase contre les personnages. Par contre, ce qui est bien, c'est que ce qu'ils n'avaient pas fait dans le Giant, c'est qu'ils ont modifié quand même certains sorts, parce que sinon, ouais, c'est trop chiant, toujours la même chose. Ça, on le récupère, ce qu'on appelle les affaires perdues de Flynn. Hop, c'est bon. Puis vous l'entendez, il chante quand il est sous terre. C'est vachement bien fait, je trouve. Je suis très fan du jeu. Franchement, les Skylanders, pour des gamins et tout, c'est super. Donc là, il nous dit qu'on peut changer de Skylander, hein, devant tout le monde. C'est qui? Fais voir. Vas-y, prends-le. Ah, fallait pas le changer. Bon, là, ils nous disent qu'il faut qu'on tourne. Ça va devoir changer, voilà. Donc ça, c'est un mécanique. Il s'appelle Cooldown. Donc lui, il n'existait pas avant. Attends, je vais leur montrer un autre aussi. Tiens, tac.
Lui, je l'ai montré. Ah, mais elle, je l'aime pas. Voilà. On l'a acheté. En fait, elle faisait partie du pack, mais je comprends qu'il l'ait donné avec le pack. Parce que franchement, elle est vraiment dégueulasse. Voilà, un chapeau, parce que... On a trouvé un chapeau. Donc je l'ai mis. Mais je l'aime pas du tout. C'est une sorte d'assassin à feu de sang. Qui peut se balader. Et j'aime vraiment pas du tout. Donc, ce qui est bien, c'est qu'ils utilisent le gamepad maintenant. Par contre, le truc, c'est que eux ne sont pas swappables, entre guillemets. Et ça, c'est vraiment chiant. Parce que le fait qu'ils soient pas swappables, eh ben, on peut pas faire certaines choses. Alors, je vais vous montrer, on va essayer d'avancer un petit peu plus vite, Enzo. Oula, je me suis fait attaquer par je sais pas quoi. Ah oui. Vous voyez, je me balade en fait avec mes yeux. Et je peux me téléporter. Donc, il y a toujours des clés, hein, c'est toujours la même chose. Par contre, ouais. Voilà. Alors là, voilà, ça c'est la grosse arnaque du jour, c'est que ils ont fait des portes d'ouverture avec les swaps. C'est-à-dire qu'il faut avoir obligatoirement un personnage swappable de même couleur. Donc là, vous en avez un unique de vie. Bon, ça, il n'y a pas de souci. Blabla de ce jeu, quoi. Et voilà. Donc, ce qui veut dire que si vous n'avez pas les personnages d'eau et de feu en swap, eh ben vous pouvez pas jouer, vous pouvez pas rentrer, vous pouvez pas finir, enfin vous pouvez finir le niveau, mais vous avez pas la totalité. Bon, moi ce qui est bien, c'est que je sais pas, je me suis bien démerdé, j'ai acheté en fait un personnage swap de feu et d'eau, donc ce qui fait qu'on va pouvoir le déverrouiller. Vous voyez, le bas est le en feu et le haut est en eau. Donc là, je vais déverrouiller la porte, puis on va faire la zone. Tac. Voilà, ça va nous déverrouiller la zone. On va essayer d'avancer un petit peu plus vite. Voilà. Sont plus puissants ici. Donc ça, c'est des zones en fait qui sont uniquement accessibles si vous avez le type de perso. Donc je vous annonce, pour les parents, ça vous coûte relativement la peau des fesses. Hop. Ça fait rire quand j'ai la peau des fesses. Hein. Ok, on va essayer d'avancer un maximum en haut. Tac, tac, tac. Donc c'est Enzo qui joue avec moi là actuellement, mon plus grand. On va trouver ceci. C'est toi ou c'est moi, je sais pas. Voilà, hop. Donc là, on a verrouillé un trésor légendaire. Un trésor légendaire, ouais, c'est ça. Donc le trésor légendaire, ça donne 5 armures. En plaçant, machin, je sais pas, on regardera ça différemment. Hop, puis on va aller là. Et ça nous remet au début. Donc l'autre, faut avoir un personnage de vie, hein, tout simplement. On va avancer tout droit. Bien, bien, bien. On va pas tout faire. Hop. Les Skylanders de la Terre sont plus puissants ici. Tu es plutôt fort, Skylander. Tu peux pousser les blocs hors du passage. Donc ça, c'est toujours la même chose. On peut pousser les blocs, hein. C'est exactement le même principe. Ça, c'est les joyaux. Ça débloque les gros cultes, enfin ce qu'ils appellent les gemmes d'âme. Ça débloque en fait les ultimes. Donc les pouvoirs ultimes des personnages. Et en plus, ça vous montre en fait les personnages que vous pouvez avoir. Donc lui, c'est un personnage qu'on peut acheter, Pop-Torn. Moi, perso, j'aime pas du tout. Tu aimes, toi? Non. Non? Mathéo, tu aimes? Non. Ouais. Donc vous voyez, ça, c'est pas un personnage qu'on va acheter, ou alors ça sera vraiment un des derniers pour la collection. Parce qu'en général, ils font la collection de la totalité. Ce qui est bien, c'est que vous avez des figurines aussi, et je sais que comme mon plus petit, il est fan des jeux et des figurines, bah en fait, ça lui fait aussi des figurines pour jouer avec les mains. Donc c'est relativement intéressant pour lui. Il a à la fois au jeu, et en même temps, bah, s'il veut pas jouer, et ben tout simplement, il peut jouer à la main comme si c'était une figurine basique, quoi, comme les Tortues Ninja ou n'importe quoi. Parce qu'elles sont relativement belles. Ou alors vous pouvez aussi les mettre dans une vitrine, ce qu'on va faire nous bientôt, je pense. On les met dans une vitrine et ça vous fait une jolie vitrine, comme une petite collection. Sachant qu'on commence à en avoir, je crois, une cinquantaine, non? Facile, à peu près. Donc on en a à peu près une cinquantaine, non? Même plus, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Alors ça c'est une tablette. Tu t'en fous de ce que je dis en fait? Ça c'est une tablette, vas-y, tu veux prendre ma place? Comment ça se passe? Oh là là, voilà. Je m'en vais, tu termines, hein? Tu donnes la manette à Mathéo, qui est en train de s'exciter là. Allez Mathéo. Tu prends pas lui? Ah, tu prends pas lui, toi tu prends celui que tu veux. Mathéo, il a ses choix, attention. Un petit peu, c'est ses personnages. Ton heure est arrivée. T'as pris qui? Ok, on avance. Alors là, je vais vous montrer ça, c'est très bien.
Alors, c'est aussi l'arnaque du jeu, c'est que non seulement les personnages ont, donc les swaps, hein, uniquement les swaps, non seulement les personnages swaps ont un élément, mais aussi ils ont un dessin dessus, et là ça fait partie des dessins, donc le personnage de feu que j'ai pris a un dessin de Rocket, ce qui veut dire que ça vous débloque ça. Qu'est-ce que tu fais, Mathéo? Et donc, avec ça, ça vous permet de faire des espèces de... Donc là, ce qu'ils appellent le turbo. Et c'est des mini-jeux. Donc, Mathéo, lui, s'il veut, il peut agrandir les anneaux. Je vais essayer de le faire assez rapidement. Je suis pas très très bon à ce style de jeu. On continue à avancer. Hop. Alors, le but du jeu, c'est de récupérer les cœurs. Il y en a 3. Oh ! Voilà. Hop. Donc là, j'en ai récupéré un. Ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez prendre de la vie entre-temps. C'est assez merdique à manier. Personnellement, moi, je galère un peu. Je trouve ça un peu dégueulasse. Vas-y, agrandis-le. Super. Donc, à chaque fois que je m'approche, Mathéo l'agrandit en appuyant sur B. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il n'y en a pas un qui est... Ouais, super. J'en ai 2. Ah, agrandis-le, Mathéo. Super. Il ne me reste pas beaucoup. Bien joué. Donc là, il me reste plus qu'un quelques portails à prendre. Et j'aurais pu prendre la vie, je l'ai arrêté. Il me reste pas beaucoup de vie. Il va falloir que je fasse hyper gaffe. Putain, je déteste ces jeux-là. Enfin, pour les gamins, c'est super, hein, vous me direz. Mais... Oh, je l'ai raté. J'ai plus beaucoup de life. Ah, je suis arrivé. Bon, vous avez vu, normalement, vous devez arriver à la fin. On va avancer, c'est pas grave. Donc là, j'ai file. Magnifique file de ma part. Mais c'est pas grave, on avance. Donc vous avez vu une partie. Alors, il y en a un autre où c'est une sorte de poule. Vous avez pas mal de trucs. Là, on va aller là. Et là, je vais vous montrer un truc qui est extrêmement magnifique. Appuie sur un, Mathéo. Et ça, c'est magnifique. Hop. Alors, c'est à la Sonic. Donc, bon, après, c'est extrêmement facile. Hein. Il n'y a pas à mettre plus B. Mais par contre, c'est super beau. Donc, vous prenez des trucs. Hop là. Ça te plaît, Mathéo? Oui. Après, ça reste relativement facile pour l'instant pour les enfants. On a fait un point de passage. Donc, si on meurt, on reviendra ici. Mais on mourrait rarement, hein, à part être en cauchemar. Après, je me serais peut-être à le faire en cauchemar, mais sans les petits. Et là, vous allez avoir un nouvel ennemi qu'on va devoir défoncer. Merci, affronter, défoncer. C'est le même. C'est Choppy Pod. Pod? Ouais, c'est ça, Pod. Allez, go. Allez, Mathéo! Oh, il a pas fait. Il a pas fait long feu, Choppy, machin. J'aime bien l'espèce de charge qu'il a, lui, avec ses pieds. Qu'est-ce que tu fais? T'appuies sur tous les boutons, en fait, quand tu joues, toi. Donc là, vous avez un truc. Bah, essaye-le si tu veux. Donc pour l'instant, on en a pas beaucoup, mais après ça va venir. Hein. Par contre, c'est entre 10 et 14 euros la figurine. Hein. Donc là, vous vous rendez compte, juste les figurines que je vous ai montrées, plus le socle qui est à quand même 75 euros, ça nous a coûté en tout 130 et quelques euros, hein, pour info. Donc voilà, 130 et quelques euros. Là, vous voyez, c'est le poulpe. Donc là, par contre, juste deux secondes, je vais leur montrer ça. Tac. Donc là, je prends le bas. Je le retrouve. Le bas du poulpe et je vais mettre lui au-dessus. Donc là, je vais swapper. Tac. Donc l'échelle, eh ben, c'est sur le bas du poulpe. Alors, vous en avez un autre qui est une roquette, je crois. Il y a pas mal de choses. Et celle-là, en fait, elle est assez marrante. Donc là, je vais vous montrer. C'est parti. Donc, c'est des mini-jeux qui sont franchement sympas. Donc voilà, vous pouvez aller plus vite en appuyant sur A. Le bruit est assez dégueulasse, d'ailleurs. Hein, j'aime beaucoup. Donc, le A permet de casser, en fait, les espèces de peau. Ah, celui-là, il me faut. Voilà. Si tu appuies sur B, tu peux m'aider, Mathéo. Voilà, ça détruit, en fait, la totalité des trucs qui sont dessus. Donc, ça m'aide beaucoup. Merci, Mathéo. Oula, je pensais pas l'avoir, lui. Hop, on va prendre la banane. Miam, miam, miam. Je suis fan. Même pour les grands, franchement, si vous l'achetez pour vous, messieurs ou mesdames, hein, c'est super intéressant. Bravo, Mathéo.
parce que c'est quand même un jeu assez complet qui prend du temps. Ça se finit pas tout de suite. Ah, il me faut lui. Hop, je l'ai pris. Et c'est relativement quand même... C'est pas facile. Ouais. Donc c'est indiqué, comme vous voyez, j'en ai deux. C'est indiqué sur mon personnage, en bas, à côté de l'argent. L'argent, à quoi ça sert? Ça sert à monter... Ah non, c'est mon niveau, ça. Non, oui. L'argent, ça sert pour les pouvoirs, merci Enzo. Voilà. Donc ça vous permet de débloquer, et vous avez le niveau qui est un fichier, en fait, directement... à côté de ma barre de vie, juste en dessous. Là, je vais essayer de le monter, j'ai eu les 3. J'ai pas fail, hein. Ça m'arrive des fois de ne pas fail. Hop, c'est fini. Et voilà, donc ça vous donne des hauts faits, donc grimper au sommet, par exemple. Là, il est content, mon personnage. J'aime pas trop le poulpe, les pieds, je trouve ça un peu useless. Les bruits sont vachement bien foutus au niveau du montage, et là, j'ai eu les 3. Oh, donc ça nous donne de la thune, et puis en même temps, ça me donne un cadeau. Je sais pas ce que j'ai eu comme cadeau. Une carte de, mission bonus. Alors ça, je sais pas du tout. J'ai pas trouvé encore où ça se débloquait. Je crois que c'est à fond de machin là. Donc c'est la ville qu'on va voir après. C'est bon Mathéo, on y va? Non, tu changes encore là? Ok, c'est la dernière fois que tu changes. Hein. Et moi je vais changer aussi parce que je l'aime pas du tout. La nuit est parfaite. Donc Demon Blast. Donc c'est celui qui jette. Qui jette les attaques. Moi je vais prendre mon personnage que j'aime bien. Qui brille d'ailleurs, quand vous le mettez sur le plateau, il a la tête qui s'allume. C'est un de mes personnages préférés à l'heure actuelle. Et on est parti, go! Donc on a presque terminé la vidéo. Hein. Bah vas-y, c'est la fête! Non mais sans déconner. Vas-y, regarde papa! Oui? Oui, ça crache. Bah c'est ce que tu viens de faire en fait, il rote, non, c'est ça? Ouais, non, tu sais jamais de toute façon. Allez, c'est parti. Donc là, je vais le faire tourner. Donc ce qui est bien, c'est que vous pouvez jouer avec vos enfants, ça joue en équipe, c'est relativement intéressant. Franchement, c'est top. Moi, j'aime bien parce que ça me permet de jouer avec eux de temps en temps, parce que bon, si je vais pas jouer à Zombie U sur, avec eux, hein, personnellement. Vous avez des cavernes qui vous donnent des coffres. Tu veux pas jouer à Zombie U avec moi? Ouais, de toute façon, toi, tu jouerais n'importe quoi avec moi. Donc ça fait partie d'un des rares jeux où je peux jouer avec eux. Et c'est vrai que je suis relativement fan. L'amélioration du fait qu'ils peuvent sauter, franchement, c'est vraiment sympa parce que ça donne un petit peu plus au gameplay. Parce qu'avant, ils ne pouvaient pas sauter. Donc là, on va prendre la clé. Tac. Bon, et ben voilà, je pense que je vous ai dit à peu près tout. La thune, tout ça, je pense que le truc a été fait entièrement. Il y a un truc que je voulais tester. Bah tiens, je vais tester en même temps que vous, c'est ça. Alors, c'est un truc qu'on a acheté avec un pack. Ça s'appelle... La Forge des Flammes, Magic Item. Je sais pas du tout ce que c'est. Pack de combat débloqué, nouvelle arène Tichagi. D'accord, donc c'est une nouvelle arène Tichagi. Et c'est une arène hors du ring Forge des Flammes. Donc, ok. Donc, en gros, ça débloque une arène. Après, là, apparemment, je peux utiliser... Ouais, j'ai vu, ça a rajouté quelque chose. Mais alors, des fois, les explications de ce jeu sont pas très, très top, hein, je trouve. Là, j'ai la clé, donc je vais pouvoir la mettre dedans. Tac, voilà, c'est fait. Peut-être que ça me permet de taper plus fort, j'en sais rien. Franchement, je suis désolé, je sais pas. Ok, stop, on arrête là. Voilà, et ben j'espère que cette vidéo de Skylander vous a plu. Merci Mathéo d'avoir joué un petit peu avec moi. Merci. Merci. Ouais, d'accord, merci Enzo d'avoir partagé ça aussi. Je suis content ben, que vous continuez à regarder mes vidéos sur YouTube. Je vous en ferai une sur Zelda certainement. Il va y avoir Call of qui va sortir dans 2 jours. Donc on va péter du Call of, hein. Ça va être la full vidéo Call of, vous allez en bouffer. Voilà, je voulais juste vous montrer celui-là parce qu'il est vraiment, vraiment magnifique et que cet achat, je le regrette pas. Pour mes enfants et pour moi, je pense que même moi je vais y jouer un petit moment parce que là, en exploration, en beauté et tout, c'est vraiment top. Donc je vous le conseille, même si c'est relativement cher. Faites attention de bien acheter des swaps et non pas des personnages simples parce que sinon bah, vous n'allez pas pouvoir tout débloquer. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube. Un petit mot de la fin, tu veux me dire quelque chose Mathéo? Non. Tu veux... Non, rien du tout, tu t'en fous. Et toi? Bouclier. Bouclier. D'accord, donc mot de la fin bouclier selon Enzo. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo avec mes enfants. Et puis bah, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube. Bye bye, bye, bye.
Bye bye. Allez, ciao mes petits aigris.